Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Surtout pour une nouvelle vidéo, une vidéo que j'attendais de faire depuis un moment. J'ai créé mon site internet, mon blog avec le site Wix. Donc je vous le présente aujourd'hui, il s'appelle Giro Motocar. Pourquoi? Parce qu'il regroupe mes trois chaînes YouTube. Donc la Giro Roue, la voiture et donc la moto, le permis moto qui arrive. Donc pour ceux qui ne savent pas, cette vidéo va être publiée sur les trois chaînes parce que je gère les trois chaînes. J'ai d'un côté tout ce qui est sur... La Giro Roue, donc c'est ma chaîne principale, c'est là où je fais tous mes vlogs en Giro Roue, que je parle un peu de tout. En voiture pas mal, je parle de tout le permis de conduire et de plein de gadgets, conseils sur la conduite, sur comment conduire porte ouverte, comment conduire avec une grosse charge dans le véhicule, etc. Et toute la partie moto, je vous parle de ma formation moto et donc plus tard de comment je vais modifier la moto que je vais acheter, comment se pas faire arnaquer, tout ce qui est lié à la moto. Donc cette chaîne, ce blog est déjà en ligne, vous pouvez y accéder. Je vais vous faire un petit tour de visite pour vous présenter un peu comment se marche le site. Donc vous avez ici tous les boutons de direction utile. Donc, vous pouvez en fait vous connecter tout simplement pour réagir dans le forum parce qu'il y a un forum. Voilà, donc ici si vous allez vous connecter en fait, vous créez un compte gratuit. Et après, vous pouvez aller dans le forum. Je suis en train de gérer plusieurs catégories. Vous pouvez mettre des commentaires, poster la photo de votre moto, demander des conseils, etc. Pour essayer de créer une vraie communauté sur la moto, la voiture et le roue. Donc, il y a des parties différenciées, l'overboard, etc. Comme ça, vous postez dans la bonne, au bon endroit. Donc, déjà ici, il y aura sur ces trois parties du blog, il y aura toutes les vidéos importantes et les art des articles écrits parce que moi ça m'arrive très souvent d'avoir des vidéos qui m'intéressent et je suis en cours ou au travail et je peux pas écouter la vidéo donc j'aime bien avoir un petit condensé qui me permet de me savoir est-ce que la vidéo va m'intéresser ou pas, savoir si je la mets de côté, si je sors 5 minutes la regarder. Donc ça permettra de vidéos importantes de les mettre et d'avoir aussi, par exemple pour la moto, les fiches moto, c'est ici que je les posterai. Et pour voilà, des ustensiles, je ferai certainement des liens sur le blog, etc. Ça vous permettra de mettre un peu tout à jour et de parler sur le forum. Donc si on va sur la partie Giro Roue vlog, donc moi en connexion un peu lente, hein, je suis en téléchargement, mais chez vous ça devrait marcher tout à fait bien. Donc j'ai déjà posté quelques articles. Donc vous avez ici la liste de tous les articles que je poste qui vont donc défiler petit à petit. Donc on peut voir qu'on est ici en fait. Donc quand vous êtes sur l'accueil, vous avez le choix des trois. Sinon, tout au long de la direction, vous avez ici les trois options en haut. Donc vous avez donc les articles. Donc vous pouvez aller directement sur le forum, me contacter pour m'envoyer un message s'il y a quelque chose d'important, quelque chose à me dire. Encore 2-3 erreurs à modifier bien sûr, hein, mais je suis en train de regarder ça. Donc la photo, pour dire que c'est bien, vous êtes bien sur la partie blog Giro Roue. Vous avez donc tous les liens utiles pour me suivre. Donc voilà, et vous avez une offre pour la vente de Wondercode. Ça, je vous invite à aller regarder en cliquant sur mon Wondercode. Ça vous permet d'avoir pour 5 euros, vous avez 15 euros de réduction sur n'importe quel Wonderbox. Voilà, comme ça je le dis. Si vous voulez par exemple lire cet article, vous avez une prémisse, vous pouvez regarder la vidéo directement ici, tout simplement, elle se charge. Si vous voulez la voir sur YouTube pour pouvoir commenter, vous avez juste à cliquer ici sur YouTube et ça va vous ouvrir hop, une autre page où vous pourrez donc commenter votre vidéo, la vidéo tout simplement, donc laisser votre commentaire, ce que vous avez à dire, etc. Sinon, vous pouvez ici lire l'article, vous faites lire la suite. Et vous avez tout simplement une page qui s'ouvre, donc une page à peu près identique aux autres. Donc vous pouvez en permanence le contacter, il y a des boutons contact partout, etc. Et en fait, vous pouvez à chaque fin d'article et de vidéo, vous pouvez ici laisser un commentaire sur l'article avec des smileys, machin, etc. Vous pouvez publier sur Facebook, etc., Twitter. Vous avez en permanence en fait accès à tous mes liens, à tout ce qu'il faut. Vous n'avez pas besoin de revenir à chaque fois à l'accueil. C'est un truc qui était important pour moi. C'est ce qui m'a pris du temps justement de reporter tous ces liens. Donc si on reste sur la page Giro Vlog, à terme, voilà, c'est parce qu'il n'y a que deux vidéos, mais à terme, enfin deux articles, mais à terme ici, voilà, vous pourrez laisser des commentaires en bas de page. Si certains le souhaitent, vous pouvez me faire des dons pour m'aider tout simplement à payer. À payer tout simplement, donc c'est sûr que sur PayPal, il faut que je modifie, j'ai pas terminé pour m'aider, voilà, à payer le matériel, etc. Certains veulent m'aider tout simplement, il n'y a rien d'obligatoire. La partie voiture, donc la partie car, pareil, vous avez des articles, etc. où je présente les choses, je parle des choses, etc. Pareil ici, le défilé de toutes les vidéos, ça vous comprendrez quand il y aura plus de vidéos. Exactement pareil pour la moto, on va passer très rapidement dessus, juste pour que ça vous donne un ordre d'idée. J'essaie de faire vite hein, pour pas vous saouler. Donc voilà les vidéos, tout ce qu'il faut. Toujours ici la confirmation sur quelle partie du blog vous êtes pour être sûr. Plus ici. Sinon vous pouvez aller dans à propos et ici c'est là où vous savez qui je suis. Ça peut toujours être intéressant. Et contact, vous avez plusieurs endroits. Ça vous permet de me contacter, de faire un formulaire et je répondrai le plus vite possible et du mieux que je peux tout simplement.
privilégier toujours les réseaux sociaux ou alors au mieux YouTube, les commentaires YouTube, ça reste le mieux, mais je lirai et répondrai à tout ici ou sur chaque article. Vous avez ici un forum, vous pouvez donc vous connecter, vous inscrire, vous avez même un bouton ici. Il est l'heure de communiquer. Donc pour l'instant, j'ai fait que quelques parties. Donc parlons gyro-roue, parlons moto, parlons overboard. Je vais faire pareil, parlons voiture, etc. Je vais faire plusieurs catégories. Si vous voulez parler de la gyro-roue, vous allez sur la catégorie gyro-roue. Et vous pouvez donc ici créer un nouveau poste. Ou alors, voilà, moi je pose la question. Vous avez quoi comme gyro-roue? Donc j'attends que vous me répondiez. J'attends que vous mettiez vos commentaires. Que tout simplement, hop, vous ouvrez l'article. Et vous pouvez, quand vous êtes connecté, commenter, rajouter la photo de votre gyro-roue, etc. Voilà, pour ceux qui se posent la question, un Racing Mono Rover M1 en blanc et noir, c'est le gyro-roue que j'ai. Donc voilà, il faut communiquer, essayer de créer une communauté. Ça va être long, mais c'est très bien, il faut le faire. J'ai testé quasiment tout le site, des personnes m'ont aidé à tester, logiquement tout fonctionne à part 2-3 bugs, mais ça va vite être résolu. Je précise que je l'ai fait tout seul de A à Z, que je l'ai fait sur mon temps libre et que ça m'a pris une éternité, donc si c'est pas parfait, m'en voulez pas, n'hésitez pas à me donner des conseils et je ferai ce que je peux. Vous avez si besoin le lien ici sur ma chaîne Giroroo, elle sera dans tous mes formulaires, dans toutes mes vidéos. Au fond, il y aura donc le blog, donc que ce soit sur la chaîne Giroroo, moto ou voiture, il n'y a pas de souci, je mettrai tous les liens qu'il faut. Si certains se demandent, c'est via Wix et donc c'est Giro Motocar, le nom du site. Donc théoriquement, on va essayer tout de suite. Si vous tapez Wix Giro Motocar, théoriquement, on devrait pouvoir tomber dessus bientôt. Là, pour ça, on ne peut pas effectivement, mais lorsque logiquement on aura pas mal de vues, qu'on aura pas mal communiqué sur le site, logiquement, on devrait être facilement trouvable et ça augmentera notre visibilité et notre communauté. Voilà, ça sert à rien de continuer d'en dire plus. Je vous laisse visiter, mettre des commentaires, etc., poster et parler entre vous. C'est essentiel de communiquer et voilà, ça peut permettre de donner des conseils ou donner des idées aux autres. Je vous dis à la prochaine. Ça me fait un plaisir d'avoir créé ça et de vous le proposer. Allez, ciao, bye bye.